Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que cette introduction vous a plu, ce petit b-roll entièrement filmé avec le Xperia Pro i. On se retrouve pour la partie vlog, la partie backstage. Je suis avec la team, on voit Yo-Yo, on voit Fab et Emilien. Donc Fab est là et Emilien est ici. Et là je me retrouve avec le petit kit vlogging avec le Xperia Pro i à la main. C'est assez appréciable d'avoir ce retour moniteur. Premier spot de la vidéo. On se retrouve au Jardin des Curiosités, on a le lever de soleil sur la ville de Lyon, on a tourné le début, prise de conscience, envie de liberté, c'est parti. On a utilisé quoi comme matos là, Fab? Alors ici on a toujours le Sony Xperia Pro i qu'on est venu mettre en fait ici sur un stabilisateur, le DJI Osmo 5. Derrière on avait donc le petit filtre ND avec le support en 3D qui est juste ici pour regarder la règle du shutter à 180 degrés, etc. Oui, commencez à connaître. En fait le Xperia Pro i c'est vraiment un outil pour les pros et pour ceux qui veulent aller plus loin avec un smartphone. Il y a plein d'options et d'ailleurs, attends, ah il y a quelqu'un qui veut vous parler. Ok, yeah Steven. Ok, no problemo, yeah, see you, bye bye. Qu'il est con ce Michel. Bien le bonjour, c'est Guiru, le réalisateur. Aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes de mon temps hyper précieux pour te présenter le Sony Xperia Pro i. Parce qu'il n'y a qu'un vrai réalisateur qui peut te montrer pourquoi c'est de la balle. On va commencer par vous présenter un petit peu les caractéristiques techniques et surtout physiques. Attention, rupture de la cornée. Alors, ça t'a mis l'eau à la bouche, c'est normal, c'est réalisé par une équipe de professionnels. Mon équipe. Ça, c'est trop stylé. Le clignotant. Revenons au Sony Xperia Pro i avec son principal atout, son capteur d'un pouce associé à un objectif de 24 mm à ouverture variable f2. F4. Alors certains me diront, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, tout. Le piqué, la montée en ISO dans les basses lumières et surtout, ce que vous appelez le flou d'arrière-plan, le bokeh. Mais ce n'est pas tout puisqu'il possède deux autres objectifs. 16 mm f2.2, 50 mm f2.4, histoire de varier les plans et d'être encore plus créatif. Il a aussi la stabilisation active, parfait pour les plans à main levée, et tout ça dans un format 21 neuvième de 16,6 cm par 7,2 cm et un poids total de 211 grammes. Je sais pas du tout si c'est beaucoup ou pas pour un téléphone parce que moi, tu vois, je suis plus habitué à ça. Et ça d'ailleurs, c'est un A7S 3 rigué et à l'intérieur, tu vas retrouver des mêmes fonctionnalités. Le touch tracking, le fait d'appuyer sur l'écran et d'avoir le suivi de l'autofocus. Light tracking, vous voyez pas mes yeux mais lui, il le voit. Et ça permet d'avoir l'autofocus sur les yeux de jamais rien lâcher. Et en même temps, vous avez aussi des possibilités colorimétriques avec un dérivé de la Venice CS qui vous permettra d'avoir une dynamique d'image incroyable en post-production. Et ils sont allés encore plus loin puisqu'ils proposent trois applications dédiées aux professionnels de l'image. Bien évidemment, une application basique existe en vidéo, mais ça ne nous intéresse pas. Côté photo, par contre, vous avez Photo Pro. Et ça, c'est de la balle. Rafale jusqu'à 20 images par seconde, AFC, AFS, manuel focus, photo en JPEG, en RAW, tout est accessible. Et en vidéo, c'est deux applications, Cinema Pro et Vidéo Pro. Et là, pareil, shutter speed, balance des blancs, autofocus, manuel focus, encodage en H.264, H.265. Vous allez même pouvoir faire du rack focus en vidéo et ça, c'est exceptionnel. En parlant de la couleur, j'ai pas parlé de l'écran et pourtant il est magnifique. Regarde, c'est un 21 neuvième comme le cinéma et moi tu sais que j'adore le cinéma. Il est OLED. Et enfin, il a un delta E inférieur à 2. Ça, je sais ce que c'est la fidélité colorimétrique. Ça veut dire que les couleurs que tu vois sur le téléphone sont quasiment les mêmes en vrai. Si t'es beau sur le téléphone, t'es beau en vrai. Mais ça, tu devrais pas en douter, mon pote. Et c'est d'ailleurs parfait aussi pour retoucher les photos. En parlant de photos, voici une petite sélection. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser un maximum de likes sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir. Et oui, ce n'est pas que au talent, c'est aussi au capteur. Je vous en ai parlé au début. C'est un capteur 1 pouce. Très bien. Mais pas n'importe quel capteur 1 pouce. Il s'agit du même que celui du REX 107. Alors certains me diront qu'il est utilisé à 60% parce que celui-ci fait 20 millions de pixels et celui-ci fait 12 millions de pixels. Mais la particularité d'utiliser 60%
et pas à un autre capteur, c'est qu'on garde les bénéfices d'un capteur à pouce. Grosseur des photosites, basse lumière et tout ce que j'ai dit en première partie de vidéo. Ça, c'est pour faire taire les rageux. D'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin, il existe le kit vlogging avec sa poignée Bluetooth et surtout son écran derrière de monitoring. Ultra pratique pour se prendre en selfie et garder la meilleure qualité puisque tu filmes toujours avec le même capteur. T'as capté ? Importance du capteur, de l'ouverture et de l'optique. Bref, je te laisse un petit lien en description si t'arrives là pendant les 3 premiers jours et que tu regardes les vidéos au début, ça devrait t'intéresser. Moi, j'y retourne. Bon tournage, mes petits pixels. La bise. Merci, professeur. Du coup, on passe au deuxième plan. Allez, c'est parti. Ça, c'est trop stylé. Regardez qui nous a rejoint entre temps. On a Monsieur Lancelot, pilote de drone FPV chevronné. Ça, je te fais un petit check, c'est juste pour la caméra parce qu'en vrai, on s'aime pas du tout. Pour refaire le tour, on s'est déjà vu il y a 5 minutes, mais on fait genre salut Guillaume, tu vas bien ? Ça va ? Ouais, ah, super. Du coup, c'est, si vous voyez des images sur un drone FPV, c'est lui qui pilote. Là, on cherche à. En fait, si tu veux, on essaie de faire un plan master shot. En gros, je rentre dans la bagnole, je jette mon sac sur le côté passager, j'allume et je me barre. Mais tout ça en plan séquence. Donc, on essaye. De là, hop, sortir avec la fenêtre, continuer et faire un panneau. Et tu vois, là, ça va être deux choses. Un, c'est qu'on va devoir faire le même plan deux fois. Donc, une fois avec la vitre fermée et une fois avec la vitre ouverte pour pouvoir faire un raccord après en post-prod. Mais ça va être la magie du montage si ça marche. Si ça marche pas, bah, vous ne verrez pas cette séquence. Toujours avoir un Lancelot dans sa team, un Lancelot bricoleur. Il a tout fabriqué lui-même. Il a fait ça cette nuit. Tac. Voilà. Là, il nous découpe pour qu'on puisse voir enfin le cadre. Parce que, juste pour info, hein, les premières images de ce matin, on voyait pas la moitié du cadre. Donc ça veut dire que Fabien est très fort. Après, ils sont peut-être pas cadrés, hein, les plans. Ils sont tous on a peut-être recroppé en post-prod. Voilà, peut-être. Voilà. Avant, on cadrait comme ça. Quoi. Et là. Tadam! Ah, bah tiens, ça filme. Incroyable. Oui, bonjour! Bim, aimanté. Oh, ça, c'est de la folie. Hein. La folie hein. Ça, c'est vraiment. Ça. Vraiment, c'est incroyable. Bon, bah, bon app, les gars. Hein. Alors généralement, nous, quand on s'arrête, on revoit un petit peu le storyboard, voilà. Comme j'ai repensé cette nuit à 1h30 du matin tout le scénario, je l'ai décidé maintenant pour être juste cohérent avec la team et qu'on fasse des bons plans. J'ai pas encore fait les plans du drone FPV de Lancelot. Ça va être freestyle, voilà. Bon, deuxième partie du vlog backstage, les gars. On vient de finir de manger. On s'est arrêté près du plateau de la danse. On est au bord de la Loire, sur des routes magnifiques. Lancelot vient de setup son drone FPV pour repérer un petit peu les lieux. Lancelot, elle est comment cette ligne ? Très pro. Elle est bien ? Une petite route ensoleillée avec les arbres et tout. Des petits dives possibles d'en haut jusqu'en bas. Non. Avec la voiture qui passe, c'est parfait. J'adore. Bon, là, on va setup le Xperia Pro i que j'ai dans la main en mode ventouse. Sur la bagnole. De l'autre côté, on a notre petite femme nationale qui fait quoi ? Qui prépare la caméra car. Sur le côté, donc sur l'arrière. Et c'est exactement par l'arrière de la voiture. Donc là, on va se filmer. En fait, le but, c'est d'avoir les trois quarts arrière. Pour l'instant, on va du coup repérer la route au sol. Et comme Lancelot a déjà validé le plan de vol, on va redescendre. On va l'emmener, je pense, de l'autre côté pour qu'il ait vraiment une vision à 180 degrés sans avoir de montagne. Parce que là, dès qu'il passe derrière, c'est un peu plus compliqué à piloter. Mais en face, normalement, il aura
T'auras quoi? T'auras 300, 200, 300 mètres de ligne? Ouais, à peu près. Bon, bah voilà. C'est parti, let's go. J'ai hâte. Enfin, vous avez déjà vu le résultat, mais pas moi, quoi. Bon, allez, j'ai hâte. Bonjour, bonjour. Bonjour. Police nationale. Merde, on se barre. Snake, oui. C'est pas mal. Voilà le... Oh, c'est trop bien, mec. Je suis trop content. Ici, toi. Yes. Ça, ça fait plaisir. Allez. Là, on part sur l'arrivée de la voiture. Il y a pas mal de vent. Donc, je sais pas du tout si on pourra refaire du drone FPV. Sachant que, normalement, le shot FPV, c'est coucher de soleil sur la Loire, là on est au plateau de la Danse, mais on va essayer de faire un maximum de plans. Donc les gars, là ce qu'on va faire, c'est que on va se placer, je pense, dans une des places ici, d'accord? Comme ça on voit pas d'autres voitures. J'arrive, je freine, le plan là, c'est que j'arrive prêt, t'es au 50, et en fait tu me suis quand je sors, d'accord? De la voiture? De la voiture. Okay. Ok. Et là en fait tu me suis et on enchaîne un petit peu avec après des plans d'eau, des plans, de follow, etc. Et quand j'arrive en haut, si le vent se calme, normalement dans une demi-heure il va se calmer. Je m'appelle Evelyne Delia. Et là, drone FPV, bim, il tourne autour, machin, compagnie. Total. Et freedom. Allez, en voiture Simone, enfin non. Allez Marcel, on va voir les vaches. Ah, je crois qu'il y a Guiruch réalisateur qui veut vous dire un petit mot. Bon, on va faire 2-3 plans ici. Par contre, effectivement, le coucher de soleil au plateau de la Danse, c'est pas forcément très recommandé parce que le soleil commence à se coucher. Et quand il va se coucher, en fait, de l'autre côté, ce sera plus tout éclairé. Donc, bon, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve ici à 6h30 d'ici une semaine, du matin. Personne n'est chaud. Hein. Est-ce que c'est la fin de tournage, les amis? La fin de tournage de la première journée, peut-être qu'il y en aura une autre, peut-être pas, peut-être un deuxième épisode. Pour le coup, il faut s'abonner, faut liker. Merci Sony Xperia, merci Emilien, merci Yo, merci Fab, merci Lancelot. Les gars, vous avez assuré de ouf, j'ai trop hâte de voir le rendu. Mec, on a mis un Sony Xperia Pro i sur un drone FPV, on a fait du caméra car, on a fait n'importe quoi avec, on a monté des filtres ND, on a imprimé des trucs en TPU. Les gars, c'était dingue, et tout ça en 24 heures, même pas, ouais, en 12 heures en fait. Ce matin à 7h, ce soir à 7h, c'est ça. Allez, 7h, 7h, 7 à 7. Ciao, c'est plié. Ciao, c'est plié. N'hésitez pas à exploser cette putain de barre de like, les gars, si ça vous a fait kiffer, parce que moi, j'ai kiffé énormément. Si jamais le Xperia Pro i vous intéresse, n'hésitez pas, encore une fois, 400 euros de réduction pendant 3 jours avec le lien et le code Guiruch. Les gars, je sais même plus quoi dire, franchement, c'était ouf. Merci, c'est merci, cool. merci à vous. Until the end for the best shot in drone FPV. Ça fait long comme hashtag, mais c'est ça qu'on aime. Prenez soin de vous, je vous attends en commentaire. À la prochaine, la bise!